circuler, moi entendez voix où là dans lit. Donc vous confirmez que c'est Joseph Jout qui t'a parlé? Ah oui, c'est Joseph Jout. Mm-hmm. C'est ça. Alors naturellement, moi-même d'un point de vue personnel, tout ça me donne dans voice là et refléter la réalité. Et oui, ça c'est position personnelle, moi, refléter la réalité. Il y a monde qui critique qui même croit que bagaille ça doit déboucher sur démission. Naturellement, je recevoir directeur général ONM, Office national de la migration, qui croit que ça dit, c'est ça tout le monde a dit tout bas, son vérité liée, et que pas qu'un problème là. Alors, on dirait que son c'est une conversation privée et puis qui dévoilé au grand public. Non, t'es gagné. L'histoire, c'est que j'étais dans le plateau central pour plusieurs raisons. Mm-hmm. Et je suis tombé sur un cas et bon, que j'étais obligé de résoudre. C'est un problème, c'est un grand problème dans le plateau central que j'étais obligé de résoudre. Et je suis en réunion avec plusieurs groupes de personnes. Même gagner tout, c'est conversation privée. Bon, de toute manière, tout ça me dérange. Je m'apprends un ancien sénateur qui est le Willow Joseph qui. Côté conversation, c'est ça l'information, Odim. Attendez. Mm-hmm. Sénateur Willow Joseph est venu dans ça, il était fait clarification pour le dénommer monde. Il s'arrête là. Mm-hmm. On quitte sénateur Willow Joseph hôtelier, on nous parle de conversation. Conversation, c'est lui fait écouler. Et il y a des gens qui fâchent, il y a des gens qui disent que je dois démissionner, je dois faire ci, je dois faire ça. Bon, bref. Mm-hmm. Et c'est dans la démocratie, on a vu, chaque monde doit opiner. Et j'ai l'idée de dire, n'importe qui côté, n'importe qui l'est. Mm-hmm. Et la presse, c'est une entité dans le pays, il y a plus tant pile, vous avez le monde, la loi bouche, la loi pensée. Mm-hmm. Et dit ça, vous voulez, le voulez, côté, vous voulez. Bon, malheureusement, mm-hmm. Et nous permettons de nous dire ça, nous voulons des fois, et nous permettons tout que faire ça, nous faire. Bon, ça, rester pour la loi. Oui, rempli Wally dans le pays, pour l'État, rempli Wally pour empêcher que moun dit sauve les love, les coteaux, les gens, les fesses sauve les. D'accord? Mm-hmm. Et conversation, c'est une conversation privée, parce que c'est dans la réunion m'teye avec des mouns, c'est pas une déclaration officielle que m'dap fait. Mm-hmm. Et bon, malheureusement. Il y a un monde qui décide de mettre le grand jour. Non, pas de monde. Il y a un seul monde qui décide de mettre le grand jour. Et moi mettre équipe. Moment, vérité. Enquêtez-moi sous lit, yo joint monde. Yo parle avec. Bon, malheureusement, il dit ces journalistes liés, bien que, par contre, s'il a professé métier, ou bien s'il n'a pas fait, mais il admet que le pape rien qui grave. Alors que, il n'a pas enregistré. Il y a un premier ministre qui a parlé dans des réunions privées ou bien dans une conversation téléphone privée et à son insu, et puis il prend, il publie. Bon, et moi-même, je n'ai pas besoin de faire polémique avec ça. Ça seulement, bon, M. Tad dit combien pour me payer pour publiciter ça qu'elle fait autour de moi. Et moi pas un politicien, moi pas chercher visibilité, moi pas besoin de visibilité non plus. Mm-hmm. Et mais monsieur ben mon visibilité heureusement pas vos factures au moins. Mm-hmm. Mais sincèrement semblait me taper le vendre tout ça me posséder. Pour taper monsieur. Pour me taper monsieur. Alors ou pas un politicien premier ministre, mais ou admettre que vous occupez un poste éminemment politique. Exactement, moi je suis professionnel, je suis technicien qui a fait politique. Ça veut dire, même j'en fais génie civil, même j'en fais finance, et même j'en ou même moi fais journaliste ou bien l'autre monde qui a fait médecine, et mon métier il est fait avec normes, il est fait avec règles. Ok, ça veut dire, moi-même, politique c'est pas métier, moi, mais m'a fait politique depuis longtemps, dès mon enfance, moi élevé dans ça. Et même, pour qui ça m'a toujours dit ça, c'est parce que, moi, faire politique avec méthode, pendant que m'obliger à respecter les règles de l'art. Vous comprenez? C'est une précision, ça me pote. C'est ça, mais avant d'aller, Marcel Joseph qui voulait faire un minimum de réaction. Avant qu'il y ait une question, vous m'avez dit. On est, il va vous être comme ça. Ouais, ça va, c'est là. Alors, Premier ministre, je vais mettre nos souterrains COVID-19 là. Directeur, je m'entends le mal. Oui, ok. Alors,
Premier ministre, m'bralais sous terrain COVID-19 là ensemble avec vous. C'est par rapport au fait que les yop calculé pourcentage, ça veut dire de létalité qui gagne pour Haïti, compte tenu de niveau de monde qui est infecté, nous autour de 7 à 8%. Donc, oui. Son situation qui est un peu inquiétant. Alors, ma pose une question rapidement. Et est-ce que jodi a, au niveau de fonctionnement gouvernement, nous en mesure de rassurer population, hein, que sous nombre de monde cap mourir, nous en contrôle de situation? Hein? Bon, mais jusqu'à présent, le gouvernement gagne un fonds gestion rationnel et efficace de pandémie. Mais ce qui arrive, c'est que nous butons à une population qui réfractaire et puis des informations. Et qui malheureusement pas servi et bien à cause d'un cap circulé qui fait mon yo pas quoi que maladie a existé vraiment. Et maintenant des mouns qui avisé qui fait ça, moi pas qu'on a quelle fin, mais n'a pas continué sensibiliser mon yo, parler avec yo et jusqu'à ce que yo comprenne. Et j'aime toujours répéter, nous non pays démocratique, et me pense à Haïti, t'es qu'on est trop bourreau déjà. Pour qu'on y a, pour nous obliger de tourner bourreau, pour nous forcer la population à arrêter la KLI, battre les mêmes gens qui ont fait dans notre pays, traîner et faire arrêter. Bon, nous pas déclarer confinement dans le niveau gouvernement, parce que chaque pays a une méthode pour approcher la question. Hein. Nous rendons compte que le confinement n'a pas de bon résultat que nous avons cherché, hein, parce que nous avons une population qui a vu une promiscuité qui est exagéré, bon, quitter la caille, il y a plus de problèmes, il y a des laissés dans la rue pour mon pontivant, parce que dans le ghetto, bon, la vie n'a pas plus facile, parce que ça, nous comprenons ça, bien entendu, et notre travail et dans le gouvernement sous l'autorité du président Jovenel Moïse pour améliorer la situation, bien entendu, ça nous a amélioré, mais c'est sensibilisation que nous priorisons dans ça, bon, malheureusement, population obligée de tonnes que n'a pas compté cadavres, nous sommes vingtaine déjà, et n'a pas voisiné 300 dans cas et COVID-19. N'a toujours dit population, tant pris, s'il vous plaît, comprenne et message que tout gouvernement envoyé pour les présidents parler avec, au moins parler avec, le ministre de la Santé publique et tout ministre et secrétaire d'État dans le gouvernement, ils ont embarqué dans le lutte ça, et nous souhaitons que. Et alors, sans pas négliger la presse, qui m'a toujours dit que c'est le premier sponsor que le gouvernement a gagné dans la lutte, ça, et nous retirer chapeau, nous baisser bien bas devant la presse. Mais on a pas des populations pour prendre ça au sérieux, parce que ça, qui vient, est très dangereux. Et scientifiques, docteurs, comité scientifique, commission présidentielle, là, ministère, ils ont dit ça déjà. Moi-même, comme premier ministre, moi, obligé d'attendre eux, parce que l'on professionnel, l'on expert, non matière, li bon information, ou bien li bon mise en garde, moi, ouais, plusieurs cas déjà, sous pas attendre, là, malheur à privant. Ça veut dire, moi-même, moi, peur, ça cap venir, hein, et moi, demande des populations, pour le peur tout, parce que la peur, c'est son sentiment normal lié pour tout citoyen, pour tout monde, qui est normal. Ça veut dire, faut que l'on peur, ça cap privé, hein, mais jusqu'à présent, l'État, il y a un contrôle de situation, hein. Et grâce à Dieu, encore avec un pile effort que le gouvernement fait, et avec le président Jovenel Moïse, matériel que nous avons commandé, il y a arrivé, et sans surprise pour un pile monde, parce qu'il n'y a pas qu'on est d'être arrivé là, et, mais matériel, il y a là, nous commençons à placer au côté pour nous placer, et l'oxygène, il y a tout, il y a rentré au fur et à mesure, et tout le reste matériel que nous commandé, il y a venu, je pense, du 17 au 23, et nous avons reçu tout. Mais même si nous avons des matériels, comme nous commandons des matériels de qualité tout, qui t'a supposé servir, même après COVID-19, pour équiper tout le centre hospitalier que nous avons dans le pays, mais nous t'a souhaité tout que le tout neuf nous pas utilisé. Okay. Et pour nous, nous pas victime de maladie, parce que Jean-Président dit, nous pas besoin de compter cadavres, nous besoin de compter guéris. Nous pas empêcher que nous prenions la maladie. Moment, vérité. Mais si nous prenons bien, nous prenons bonheur avec nous prenons précaution. Ça qu'arrivé que nous pas continuer contre les cadavres parce que 20 cadavres, c'est trop déjà. D'accord. Alors, Premier ministre, ou qu'on a un proverbe qui dit, bâton gagnant, c'est avec ou par écoute. L'on prend tradition médecine haïtienne, nan, ou gagne 80% de la population, hein, qui lui-même, c'est médecine traditionnelle là qui est d'elle, ça lui-même, il gagne recours.
ou gagnent 20% qui a la médecine conventionnelle là, mais y a une médecine conventionnelle que nous constatons qui gagne pile problème, infrastructure sanitaire et autres. Mais n'a pas gardé certains pays qui gagnent infrastructure sanitaire ça, y ont retrouvé yo pratiquement à genoux devant Covid-19 là, mais y a bataille quand même. Pour qui raison du côté du gouvernement? Bon, pas pour qui raison, mais est-ce que du côté du gouvernement, nous avons une stratégie pour renforcer médecine traditionnelle là, dans quatre batailles Covid-19 là? Ça, c'est premier volet question maintenant. Deuxième volet question, hein, premier ministre, nous connaît que y en a un élément qui aide moun bataille contre Covid-19 là, c'est renforcer le système immunitaire des gens. Haïtiens mangent mal, mangent au cher, situation extrêmement difficile, éducation culinaire pas faite, tout ça. Est-ce que le gouvernement a une stratégie à ce niveau pour nous jouer une façon pour casser prix produits, pour nous être capables de mieux manger, pas seulement une stratégie, bon, ben, l'argent, Jean Abdil Lala, oui. Donc, c'est deux questions, Premier ministre, s'il vous plaît. Bon, première question, c'est que nous reconnaissons faiblesse et système et sanitaire que nous avons là. Et c'est une raison, et le NAP commande des matériels, ça, le président est clair sous lit, lui demander pour nous tout profiter de catastrophe ça pour nous réhabiliter le système non qui grand pile manque pour pas dire qui défaillant. OK, ça veut dire matériel que nous commandons, il va renforcer le système là, système sanitaire pays là. Maintenant, si n'a parlé de baisser manger dans tout pays, c'est pays qui produit manger, c'est là manger puis bon marché. Ça veut dire on t'a capable pour un seul exemple, et par exemple pour cocoyer. Je connais que chaque année, l'État Haïti commandait 17 millions de dollars de cocoyer sèche en République dominicaine. Et c'est une raison qui fait notre privilégié en pile agriculture. Et par exemple, dans le nord, dans le nord-est, et on partit dans la Tibonite parce que nous pouvons faire tout le bagage d'un coup. Mais dans trois mois qui sont passés, le gouvernement a installé 25 pompes solaires qui pompent de l'eau. Et là maintenant, jusqu'à matin, là, dans notre dernière réunion, on a planifié toute terre qui t'a abandonné, qui vient de l'eau sous yo, et pour nous commencer et faire drainage sous yo, et faire irrigation, curer canal yo, qui t'a abandonné depuis 30-40 ans, de, par exemple dans la zone Latanerie et dans le nord, dans le nord-est, c'est des côtés qui t'a abandonné, mais qu'on y a la réhabilité, et non seulement le système de pompage qui a abandonné longtemps, mais tout. Périmètre irrigué dans la zone tout, n'a pas météo et en fonction. Et sous garde dernière circulaire que Primature l'a fait sortir, et l'IBA et le ministère de l'Agriculture avec le ministère de l'Environnement, le ministère de Finance, le ministère de Commerce, en pile responsabilité dans renforcer le système agricole là et pour augmenter la production hein, et en plus 12% pour au moins passer à 60% d'autonomie. Et alimentaire. Mm-hmm. Et n'a pas le travail tout le jour qui a venu là, ça veut dire semaine ça même, il y a des dispositions que va le prendre dans CNSA et pour renforcer le système ça, non seulement le système d'alerte, tu vois, mais continuer le travail pour augmenter non seulement la production nationale là, mais pour augmenter tout la production et agricole là. N'a pas travaillé sur tout ça et nous pensons que c'est manger bio, manger de qualité que n'a produit dans le pays là, c'est eux-mêmes qui pour renforcer le système immunitaire mounio. Et pour le moment, on a invité pour manger en pile feuille, en pile yon panier. Et bon, moi-même, je ne suis pas diététiste, mais je souhaite que les gens qui ont une qualification, qui ont une expertise pour ça, là, il y a intervenu pour bailler la population en pile conseil pour expliquer aux gens pour balancer l'alimentation. Parce que moi-même, je ne parle pas là, je ne connais pas mieux que ça. Nutritionniste. Et, bon voilà, nutritionniste, mm-hmm. Par contre mieux que ça, moi-même tout, c'est de temps en temps obligé à aller sur internet la mal garder et on sort pas l'état là dans l'autre volet question là de médecine traditionnelle. Justement là. Parce que nous ouais qui bataille que Madagascar menait avec Covid organique là, bon Haïti a capacité pour que bataille tout pour médecine traditionnelle là. Est-ce que au niveau du gouvernement, vous avez une stratégie pour la médecine traditionnelle qui soigne 80% population en faut que nous dire. Oui. Moi-même, bon, pas depuis Covid-19 là, et naturellement, chaque jour, moi, je compte pour moi. Et j'ai le salé, j'ai le sucré, et je pense que c'est valable pour tout haïtien, pour tout paysan. Nous toujours compter dans le bois, et c'était, vérité. Moi-même, la KM, généralement, c'est moi qui prépare.
OK? Avait dit moi toujours gété m'a boue. Avec Covid-19 là, bon, je viens renforcer gingembre parce que moi t'entendais yo dit ça et parce que moi j'aurais même pas plus long que tête, mais devant monde parler avec m'a tendé. Je dis gingembre bon, moi prends tout. Et moi moi conseiller, du moins moi suggérer tout le monde faire même bagaille là. Et moi connais mon travail qui était fait déjà avec ethnologie et sous médecine traditionnelle que tu as presque tu as couplé avec médecine conventionnelle. Et bon travail ça, j'ai participé là-dedans mais ça fait tellement longtemps, moi viens de passer à autre chose, mais pas connais dans quel niveau lié. Mais moi connais que ministère de santé publique à travers la direction de médecine et de pharmacie et il gagne des travaux que l'a continué fait. Mais là maintenant, l'identique est difficile pour ne pas parler même genre avec Madagascar. Probablement, yo même yo connaît non si m'a dit n'importe bagaille qu'on y a là, je veux dire n'importe quoi. Pardonnez-moi ça si yo moun dit trois feuilles en main bon pour baisser tension. Mais là maintenant, faut nous connaît l'un mettez trois feuilles là qui gosse pour faire là et qui dose il gain la donne parce que ça qu'arrivé que nous mal utiliser feuilles là tout. OK? C'est pour ça, moi-même, moi, t'as souhaité que, monde qui a expertise dans ça, parce que moi, connais, il y a un docteur, et, qui travaille en pile, et comme ça. Bon, ça me pas voulu faire publicité. Bah, ou bien en pile, ou bien Marilyn Rouzier comme biologiste, ou bien docteur Max Noël, ou grand paquet. Voilà. Oui, moi, grand paquet. Avait dit, moi-même, moi, t'as souhaité que, et médecins, ça, et son appel que, en tant que premier ministre, moi, tout lancé bah, parce que moi-même, pas contre tout, mais, ça me connaît, yo, m'a parlé avec yo, pour voir si, au moins, nous tout t'a mettre, toute compétence, ça, yo, t'a mettre ensemble, et yo t'a dit, moi-même, en tant que politique, qui décision que m'ta dû prendre, parce que, faut que, médecin, conventionnel, yo, avec moun qui fait médecine traditionnelle, yo, faut que toutes mes têtes, ensemble, pour faire discussion entre yo, et c'est à ce moment-là que yo capable, et bail l'État, et by premier ministre ou bien by gouvernement général va parler avec président pour dire qui direction pour nous prendre et qui précaution tout que n'a pas gagné pour nous prendre dans direction qui a demandé nous pour nous prendre. Très bien, merci un peu le premier ministre, mais m'a obligé poser aux dernières questions ça parce que dans quatre travail moi comme journaliste moi visiter plusieurs centres hospitaliers. Je connais peut-être qu'il y a d'autres centres captant des qui cap fait jalousie, mais moi aller et l'hôpital Fond des Blancs Saint-Boniface, moins aller bonne fin et au CAI, c'est des hôpitaux qui recevoient des milliers de gens qui travaillent sérieusement pour traiter en pile cas, mais premier ministre en tant qu'ingénieur m'a regardé état route ça yo m'a demandé qu'on a regardé moi des monde qui ont des cas critiques qui sous motocyclette. Donc m'a demandé qui ça l'état ta capable de faire dans cadre travail là pour ta faire en sorte d'améliorer route ça yo puisque moi quoi c'est des hôpitaux quand même qui pratiquement servi population capable dire par contre c'est l'état qui a des interventions directes en dans l'hôpital ça yo même qu'on est que c'est des hôpitaux qui a bien travaillé au niveau de la route. Premier ministre, qui promet ce que nous capable faire à population ça yo que l'hôpital ça yo a des services en pile monde qui a là-dedans et qui sorti de très loin? Non, et pour qu'on y a m'pas faire une promesse, parce que moi m'pas qu'on fait promesse. Tout ça m'a dit, c'est que m'pas aller le ministère de la République, là, fini parler avec vous, et pour m'mander pour le prendre disposition pour améliorer l'état route, là. Parlant de motocyclette, et bien sûr, l'ambulance nationale, bon, m'pas qu'on est vraiment combien d'ambulances qui sont disponibles dans la zone, là. Mais, mon moto, faut qu'il y ait servi avec les structures que l'État mettait là pour bailler au service. Si bon problème, il y a toujours fait nous connaître parce que moi-même, j'ai un pile mon pays à même qui attire l'attention sur un pile bagaille qui pas marché, que ce soit en matière de sécurité, santé, agriculture ou bien infrastructure. Et ça rend un pile service, ça met les yeux un peu partout dans le pays. Hein. Et même après le ministère public, là, parce que le président, dans le travail que le TAP fait, lit et bien l'outil. Ou bien équipé, toute direction départementale, travaux publics, yo tout gain équipement, et travail que j'ai commencé à faire pendant que j'étais ministère des Finances, c'était fait en décentralisation de budget ministère des travaux publics, là, avait dit, direction départementale, là, soumettre, et budget par an, et le soumettre directement à travers le ministère des travaux publics, nous déposer comme sous compte-lit, bien entendu, avec un comptable
que le ministère des Finances mettait, qui pour gérer Kobla, veut assurer que Kobla est bien dépensé, il fait exactement ça, ça le gain pour le faire. Nous avons regardé pour nous, pour le département du Sud, ou bien de NIP, nous ne connaissons pas vraiment dans qui bon, bon, font des blancs. Oui, font des blancs. Oui, ouais, mais si c'est font des blancs, c'est Akin. Oui, c'est NIP et puis Sud. Ouais. C'est ça. Mm. Nous allons regarder entre deux départements, ça y est, qui travaillent, qui méritent fait, et nous prenons disposition dans l'immédiat. Et ma première sur le fait que vous attirez attention sur ça, ça a encore son gros travail qu'on fait, parce que sous pas de dimni, mais pas tap konen, et probablement, si je t'étendais le tout, je ne pas t'accorder un peu l'importance à lui, mais je promets tout que je vais régler ça qu'on y a. Merci, Premier ministre. Bonne chance. Non, mais... pourquoi aller, non? Peggy va le balai avec. Oui, oui, PM, avant de libérer vous, d'abord, merci pour disponibilité vous, je dis, d'autant plus que ça n'a pas de planifié. Alors, la toute dernière question, c'est dans ça qui a un rapport à Haïtiens qui, à l'étranger, qui voulaient entrer dans le pays. Mesure que le gouvernement prend, moi, t'es correspondant sous la ministre Affaires étrangères là, qui dit que moun Haïtien, moun qui voulait entrer, est capable d'entrer. Moyennant que un yo ka confirmer que yo gen réservation dans yon li aérienne ticket yo capable gen yon faut que yo gon test négatif au covid 19 et troisièmement faut que yo en mesure pour yo payer une période de 14 jours de quarantaine à visa lodge ou servotel. Le moment vérité à le vérifier nous est que il vous faut $1,820 et à raison de $130 par jour pour période de quarantaine ça. Alors, gen moun qui croit que Premier ministre, gen moun qui croit que c'est une bonne mesure, cependant gouvernement a dû penser à yon l'autre catégorie. Catégorie de moun qui voyageait qui peut-être te gon $200 dans poche là le fait 3 jours en Floride et subitement li bloqué. Et moun sa pa nécessairement gen $1,820, gen moun ki kwè ke nou te kapab créer une alternative. Oui, on maintient ces deux institutions hôtelières, mais nou te ka ajouter par exemple d'autres endroits qui capable te fait de façon gratuite, par exemple yon lycée dans période que le pas fonctionner, hein? Si gen des lits qui mettait, si gen nettoyage, si gen sécurité, etc. Donc si gen un système de ventilation que moun nan pa pral mouri nan chaleur, donc moun nan ka di que la subi période de période de 14 jours nan endroit ça sans pas nécessairement payer. Donc gen moun ki croit que nous doit créer alternative pour que pa gen des moun ki lesé qui pa gen moyen pour payer visa lodge ou serv hôtel. Bon, alors ouais, et du choc des idées j'ai la lumière. Même pas sincèrement, moi pas de réfléchir à ça. Merci en pile, moi tout prendre et comme alternative parce que j'aime toujours dire depuis ça ici c'est qu'après rentrer dans pays yo malade ou pas malade c'est la caille y a fini. OK? Avait dit c'est nous-mêmes dans le gouvernement s'il malade pour nous prendre pour nous bal soin que calme éviter, s'il pas malade tout faut que nous exiger que l'aller dans quarantaine. Mais m'a tout précisé. Deux hôtels, ça, nous t'ai choisi, pour qui ça? C'est parce que nous gagnons des étrangers qui conviennent dans le pays, par exemple, qui t'aiment prendre, des lits aériens, là, où faut faire vol là. On vole qui long en pile, ils sont obligés de dormir parce que selon les règles, du moins les normes, ils sont pas capables de retourner. Par exemple, un avion qui sortit en Chine, par exemple. Et pilote la sorte fait 8h, 12h de vol et il exigeait que l'obligé de dormir côté. À ce moment-là, nous pas de contrôle, nous sommes obligés d'accompagner, gagner là-dedans, qui est obligé de dormir dans l'avion, qui n'a même qu'à descendre à terre. Gagner tout, nous qu'on accompagne, il est allé dans l'hôtel ça, parce qu'il est à proximité de l'aéroport. Là. Et nous t'es tout un bel tour parce que il y a un pile monde qui rentrait qui promet que il y a prêté en quarantaine et monde que santé publique mettait pour faire suivi ça yo le aller dans cala jeune monde non il sorti carrément avait dit il pas respecté promesse que le défait. Bon, là ça arrivait 4-5 fois
pour 200 mounes, 100 mounes, alors que nous avons une population qui avoisine les 11,5 millions d'habitants, mm-hmm. elle est là maintenant en état responsable, un gouvernement responsable. Dans l'intérêt du plus grand nombre. Dans l'intérêt du plus grand nombre. Mm-hmm. Et ça encore, c'est la démocratie, nous pas capables, ou minoritaire, ou rester minoritaire, ou bien droit pour que nous avons obligé de respecter, mais pour nous protéger, reste mon yo. Et bon, malheureusement, nous avons obligé de prendre des mesures qui ont des gens contraignants, nous comprenons ça, nous demandons pardon pour ça, mais nous sommes obligés de faire. Avec dit, moi, tout prend alternative qu'au bon moins, pour lycée qui n'a pas fait rien, là maintenant, ça seulement me garde, vous savez que je suis en difficulté pour me faire une carbone pour mettre pour mon yo avec l'autre facilité pour faire quarantaine dans la donne. Mm-hmm. Parce que l'État déjà loué 5 hôtels dans Port-au-Prince. Parce que forme du monde l'autre phénomène. Mm-hmm. Parce que il y a monde qui a rapatrié en Haïti. Dans le moment, Jean Wellier. Nous avons qui sorti de Turk and Caicos, nous avons qui sorti Bahamas, États-Unis. Aux États-Unis. Mm-hmm. Et l'État a subi et en pile frappe. Non, moment ça. Mm-hmm. OK? Et il y a des gens qui ont pris pour nous tout mettre. Hein? Bien entendu, c'est des gens qui soit criminels ou bien qui font infraction aux États-Unis. Mm-hmm. Ils ont fini plus de peine aux États-Unis, mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas prendre la guerre dans la nature comme ça. Mm-hmm. Elle dit, nous sommes obligés de mettre en quarantaine. Ou même si la quarantaine n'a fini, nous avons une pile de difficultés pour nous connaître qui ça nous a fait. Mm-hmm. Après ça, parce que ils n'ont pas commis aucun délit ou aucun crime. Dans le pays, où ça avocat, où connaît ça mieux que moi, nous pas supposé prendre ou punir parce que yo pas faim en Haïti. Mais tout comme c'est des gens qui avec des précédents ou bien historiques qui ont des gens et des problèmes, donc à ce moment-là, nous avons des difficultés pour nous connaître qui décision nous OK, pour réinsérer dans la société. Alors, merci en pile pour l'alternative qu'on offre, pour consultation gratis à Gobaye, comme toujours. Mm-hmm. Et nous avons regardé qui j'en ai fait pour nous implémenter. Et nous avons discuté avec collègues du gouvernement pour nous connaître et le plus vite possible qui disposition que nous allons prendre pour nous faciliter que le monde retourne la caille. Parce que la caille, c'est la caille. Bien. Et pour terminer, PM, on revient à la toile de fond de l'entrevue. Judith Beaubrun. Donc, à partir de mardi, on dit que les médecins ont l'aide côté les 10 ou qui non pour chaque l'en fait pour procédure l'en qu'a fait tout de suite pour lui pour le voyager. Tout de suite, c'est la fête dans l'immédiat. C'est ça. Et non seulement on a fait pour moi, parce que, alors, m'a rappelé que les primatures là, ils tournaient la KLI dans le bicentenaire, c'est dans zone ça, c'est dans le bureau, dans le bicentenaire là, pour livrer l'être là. OK, pour livrer l'être là. Ensuite, sans t'as qu'à faire pour moi, c'est voyer accusé de réception pour moi sur WhatsApp. Très bien. Sitôt que je remette au lit, et puis moi-même pour me faire et déclasser le plus vite possible pour au moins première dame n'a pas gagné pour le tourner sous ça avec moi encore. C'est ça. Merci en pile, premier ministre. Kembela. D'accord, merci en pile. Kembela. Voilà. Vérité. C'est ça. Voilà, premier ministre Joseph Jout. Naturellement, intervention là, c'est. T'as gagné rapport à Madame Judith Benoît. Bon. En tout cas, Judith Beaubrun, merci pour précision. Donc, qui a problème santé. Donc, Marcel, nous remercions le Premier ministre qui décide de voler à secours Madame Beaubrun. Justement, oui. Et c'est pratiquement résolu que dossier pourra le marcher. Madame Beaubrun, nous sommes tous libéraux. Donc, merci, nous souhaitons du courage. Et m'envie de bon voyage déjà, même si on a gagné pour... n'a gagné pour nous, n'a suivi le dossier de très près jusqu'à ce qu'on voyage pour qu'on suive le traitement et à Cuba. Donc, merci. Merci en pile avec Radio Signal FM. Je dis merci avec DGA, merci avec M. Peggy qui t'a accordé.